Happy Monday, happy blessed Monday, everybody. Happy blessed new week. I hope you all have a wonderful weekend. Hello, everybody. Bonjour, tout le monde, bonjour. Diamond. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que votre week-end s'est super bien passé. Nous, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. On a eu un très bon week-end. Ensoleillé. Seulement hier, il a plu, mais sinon, ça a été. Aujourd'hui, bon, le ciel est couvert, mais il fait bon. Il fait bon, vous voyez, je suis en gilet. Il fait bon. Hello, Seiya. Sarah, how you doing, sweetheart? Hello, everybody. Hello. With Diamond. I hope you're okay. I hope your week Monday has started well for you, as it has started well for me, by God's grace. Comment allez-vous, tout le monde? Oui, je fais ma marche. I'm still doing my walking, you know, my exercise. You know, it's good. It is good. In the morning, doing your exercise, it's good to keep your health. Hello, everybody. Hello. Hello, guys. Hello. So, hello. How are you? Comment allez-vous? I hope everyone's well, the family as well. So guys, you know, I just want to talk to you about the fundraising I'm doing for IET. I'm still doing it. I'm not giving up. I'm still persevere. I'm still on it because I can see that so far we have doing an amazing job all together as United. So this is why I cannot give up. This is why I want to keep going. You know, I'm doing those lies to encourage someone who want to start something, or even when he started he doesn't see any result but ready to quit. So today this is me as someone who been there before. You know me, guys. I've been trying to raise some money for those orphans, and you know, when I don't see any result, I just leave it and use what I have for them. And at the end, I am discouraging and I'm just giving up. So today, that was before. I learned from it. And now, I say, no matter what I'm receiving, I will keep going. I will keep going. In life, to succeed is never give up. Never give up. Never give up, you know? In life, if you give up after one failure, you will never make it. So, For those one who are there, who listen to me, who are watching me on my life, you know, I want to encourage someone. Je veux encourager quelqu'un qui est sur mon mur. Et merci beaucoup de me joindre sur mon mur. Quelqu'un qui a commencé un projet,
quelqu'un qui a ça à cœur et que quand il voit une difficulté ou quand il voit un obstacle, une opposition, baisse les bras. Je veux te dire aujourd'hui que c'est pas le moment. C'est pas le moment. Faut jamais baisser les bras quand qu'il arrive. Jamais, jamais, jamais. C'est la persévérance qui paye. La persévérance paye. Moi, ces enfants, je ne peux pas baisser les bras. Je ne peux pas parce que ces enfants comptent sur moi. Ces enfants comptent sur moi et que quoi qu'il arrive, je vais tout faire pour venir à leurs besoins. Non, parce qu'il y a tellement des obstacles, des oppositions, que nous battons pas assez. On voit un obstacle ou bien surtout la bouche des gens qui sont autour de nous, qui ne voient pas ta vision. Si quelqu'un ne voit pas ta vision, si quelqu'un ne comprend pas ce que toi tu veux dire, la personne, elle est prête à te décourager. Alors, c'est toi qui as eu cette vision. C'est toi que Dieu parle. C'est en toi que c'est. C'est un, comment dire, c'est une seed. C'est un grain qui est en toi qu'il faut arroser tous les jours. Tous les jours pour que ce grain-là puisse grandir. Personne ne le voit. Il n'y a que toi. Alors, si toi-même, tu ne crois pas en ce que Dieu a mis en toi, comment tu... Et tu penses que c'est que les gens disent, c'est ce qui est mieux. Parce que ce que toi, tu vois, la façon que tu vois cette vision-là, les gens ne le voient pas comme ça. Ils ne savent même pas ce que tu dis. Ils ne savent même pas ce que tu racontes. C'est vrai qu'ils vont te dire plein de choses négatives. Ils vont te décourager pour que tu puisses laisser cette vision et passer à quelque part que tu n'es même pas appelé. Et tu vas tourner. Et à la fin, là, tu perds ton temps pour retourner sur ce que Dieu avait mis en toi. So guys, today I just want to encourage someone. I just want to tell someone that, you know, God has put a seed in you. It's not man, it's God. He has put a seed in you. So, sometimes we're giving up too quick, too fast. You know, I've been there. I learned from it. This vision God has put in me, this dream, this seed God has put in me, is me God has put it, not someone else. So you can talk to others, some of them, they will discourage you quick. They will bring some negativity about it. They will say some negativity about it. They will propose you other things. And you, because you don't believe on what God has put in you, so you will leave what God has put in you and just go something else. And you're going to turn around until you rest in time and you come back to the prayer A. You know, that's what I want to say. Whatever the opposition, whatever how hard the situation is, whatever our opposition you want to go through, never give up. Never give up. Because this is in you. Because when you go and do other things God didn't call you to do, you're just gonna waste your time. And time, the most important things in this life is time. Time. When time passes, you cannot come back. You cannot come back. So, the time God have given you, you have no idea. For you to accomplish what He have put in you, you don't have no idea. So when you go and do other things, what God doesn't call you to do, and you're wasting time. Sometimes we prefer to believe what other people tell us. Oh, I see you doing this. Oh, you look good on that thing.
oh, you know you have the speech to do this. Oh, you see that it's better for you. Wow. Who is your creator? Who is the one who revealed himself to you? Is he man or God? So guys, this video is a quick one. For those one who knows me, I've done so many things. I wasting my time in different type of things. I'm not lying. But at the end is a learning. I learned from it, and everything I done, I waste my time, but I still learned from it, and now I know I am ready and believe what God put in me. This seed need to grow. This seed need to grow. And this is why I'm working. What seed God have put in you, and you rest in it, and you go left center instead to be focused on what God have put in you, and you know, and you don't see any result. In the beginning, you will see quick results. I say, oh yeah, it is good, it is good. But at the end of the day, after, I've been there. I know what I'm talking about. I've been there. Oh, you're gonna say yes. Oh, this is that, oh, it's working. But deeply in yourself, you know, this is not where God has called you. Don't be deceived by the things you see who shine. Don't be deceived. I learned from it. Bonjour la sœur Cecilia, je sais que, comment vas-tu? Sois bénie. You know, don't be deceived about what you see. So, you know, this fundraising is in my heart. I can't sleep. When I say I don't do anything about it, I don't feel right. So every day I'm working on it. Every day. Even when I'm not when I'm not on the social media, I'm working aside, doing so many things. Hey, hon. You're all right. So aujourd'hui, je suis là. Je veux juste vous encourager. Quel que soit ce que Dieu a mis en vous, ne baissez pas les bras. Quelle que soit la difficulté, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les distractions, restez sérieux, restez focus dessus. Parce que quand vous allez faire des autres choses à côté, vous perdez du temps. Au début, on voit des résultats, on dit « Ah oui, c'est vrai. Oh, merci ma soeur, merci mon frère. Oh, yeah. C'est bien, c'est bien. » Tu vois, ça commence à briller un peu. Mais après, tu vois, tu es dedans. Toi-même, au plus profond de toi, tu sais que c'est pas là que Dieu t'a appelé à faire. Mais tu as insisté. Et tu vois que tu perds encore du temps et du temps. Ça fait combien d'années que Dieu m'a appelé à faire cette charité? En fait, j'étais perdue. Je ne savais pas par où commencer. Je ne savais pas comment faire. Et au lieu de rester dessus, être focus et puis chercher la face de Dieu, je faisais des autres choses à côté. Des distractions. Distractions. Et j'ai perdu du temps. C'est le Seigneur par sa grâce qui me permet d'être là encore. De vous parler de ça. So, je baisse pas les bras. Je suis toujours en train de faire à m'occuper de ces orphelins, de ces femmes veuves, de ces personnes qui ont tout perdu et qui n'ont plus rien. Dieu nous a bénis et nous continuons à bénir ces enfants, ces gens qui sont dans le besoin. So, hello, Ramata Bamba. How you doing, sweetheart? I hope you're okay. Happy, blessed week. So, vous avez vu? Des fois, j'ai dit, ah, oh,
J'ai des francophones, j'ai des anglophones, comment j'ai même des haïtiens qui me suivent. Ah, parler français, anglais. Je trouve toujours des excuses. Mais on ne se rend pas compte que Dieu a mis des dons en nous et il faut explorer ces dons-là. C'est pour ça, moi, aujourd'hui, je me lève. Je veux encourager quelqu'un que Dieu a mis un, comment on dit, seed, un grain, un potent, how you say that? Something. Sorry, guys. Des fois, l'anglais prend plus que le français. Dieu a mis un don en toi. Dieu a mis un potentiel en toi. Dieu a mis un grain en toi. Et ce grain-là, il a besoin d'être arrosé tous les jours pour qu'il puisse grandir. Et quand ce grain-là commence à s'arroser, il commence à grandir. Vous voyez des fleurs, des pétales qui commencent à fleurir. Hello, sweetheart. How you doing, baby? Hello, Fatim. You're supposed to call me. You haven't called me yet. For me, I thought you were busy. That's why I didn't call you. So today, I just want to encourage you guys. Je veux vraiment que quelqu'un se rebooste. Ne dis pas qu'il est trop tard. J'ai perdu trop de temps. Si c'était ça, depuis longtemps, j'aurais baissé les bras. Mais je ne baisse pas les bras parce que ce que Dieu a mis en moi, il est plus fort que moi-même. Ça fait que je n'arrive même pas à dormir. C'est tout le temps dans ma tête, tout le temps dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. J'ai besoin de faire ça pour ces enfants qui sont en train d'attendre. So guys, whatever God has put in you, don't take it for granted. Don't take it for granted, you know, because so many people up there, they're waiting on you. Whatever the gift God have put in you is for a reason, is for a purpose. Don't give it up. Don't give it up. Okay? Don't give it up. That's why if you want to succeed in life, never give up. Never give up. Never give up. So, today I'm here again to ask you guys to contribute whatever you have for those kids to help me raise this money to send to Haiti to help those children. They're gonna go to school very soon. Some of them, they need clothes, they need uniform, you know, they need shoes, they need bag, they need pain, you know, everything they need for school. Some of them, they need medicine. Some of them, they need toiletry. But I cannot take them here. I cannot send them from here because I know many of you have called me, have sent me some message to ask me if you can bring them to me. And I already explained you the situation. So it's better for me to send money over there and then they will purchase it directly. You know? So guys, God bless you. And I will put the fundraising link, the PayPal of Walk of Victory, so you can, whatever you can put on it, whether you do it on PayPal, whether you do it on the fundraising, I'm gonna put everything there, so you have the choices. So whenever you want to put it, you can put it on the PayPal Walk of Victory, or you can put it on GoFundMe. So it's the same thing. I still receive them to send it to those people out there, to those people back home. They are using it. Every phone we send them, they're using it to do some great thing. I send you some video. The way the children were happy. They were happy because this earthquake have traumatized them.
and they needed this time off to not thinking about anything else but just enjoy themselves. They are children and they go through this trauma. They cannot sleep. They can't. Every time they hear some noise, they're scared. You know, imagine. So that's why this little time off for them to enjoy themselves with other kids, it was really good. And they enjoyed. They had some great time. So je voulais vous dire un grand merci à vous tous pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. C'est pas encore fini. Nous continuons toujours à faire des demandes de fonds. Je vais mettre encore le website sur le lien, sur ma vidéo. Soit vous pouvez mettre ce que vous voulez envoyer, que ce soit sur Walk of Victory 3@gmail.com, ça c'est le PayPal, ou bien vous pouvez mettre ça sur GoFundMe UK. Je vais vous mettre tout le lien. So, ce que vous voulez mettre, vous mettez. Nous continuons à faire ces donations. Nous continuons à récolter ces dons pour envoyer là-bas. Parce que le sourire que ces enfants ont eu pendant ce moment qu'on a mis, pendant ce moment de pause, parce que ces enfants, ils avaient du mal à dormir, ces enfants avaient du mal à manger. Dès qu'ils entendaient un bruit, ça y est, ils commençaient à paniquer, ils commençaient à pleurer, ils ne dormaient pas dans leur sommeil. Ils faisaient des cauchemars dans leur sommeil. C'est-à-dire qu'ils sont traumatisés, ils ont des traumas à cause de ce qui s'est passé. Ça fait que ce petit temps de distraction pour eux, c'était une très bonne idée. Et je rends toujours gloire pour la vie du pasteur Samuel qui est là-bas, qui s'occupe de ses enfants jour et nuit. Que Dieu le bénisse. Et que avec la team qui est là-bas aussi, qui le supporte avec toute sa famille. Parce que c'est pas évident de tout lâcher, de tout laisser pour aller, de mettre tout son amour pour aider des enfants de différents backgrounds, des enfants qui ont des différents traumas. C'est pas évident. Et il a fait ça. C'est vrai qu'il sait ce que ces enfants-là ont besoin. C'est pour ça que je vous en supplie. Chacun de vous, s'il vous plaît, de continuer à nous supporter, de continuer à nous aider financièrement. Quand le moment viendra où on trouvera une solution pour récolter les fonds, que ce soit la toiletterie, des nourritures non périssables, des habits, tout ça, on pourra envoyer. Mais pour l'instant, c'est plus les fonds que nous avons besoin. C'est plus ça que nous avons besoin. Ça fait que si vous pouvez continuer à nous envoyer vos dons, si tous les mois vous vous engagez à donner 10 euros, 20 livres, 10 livres, 5 livres, ce que vous pouvez mettre, tout sera tous bienvenus. Je vous en conjure. Que Dieu vous bénisse. Comme je vous ai dit, c'est juste une petite vidéo quick pour vous encourager, pour encourager quelqu'un. Que Dieu a mis un don, que Dieu a mis quelque chose en lui ou en elle. Et que quand il ou elle voit une opposition, il veut lâcher l'affaire. Il est déjà découragé, ou bien les bouches négatives qui lui disent « Non, vaut mieux faire ça, je te vois mieux dans ça. » Tu perds du temps. Parce qu'il faut que tu comprennes, ce n'est pas à eux que Dieu a mis ce don-là. Ce n'est pas à Dieu, c'est pas à eux que Dieu s'est révélé, c'est à toi-même. Ça fait qu'il faut que tu comprennes ça. Alors, quand tu vas faire des choses qui ne sont pas directement ce que Dieu t'a appelé à faire, c'est que tu perds ton temps. Et le temps, comme on dit, le temps c'est de l'argent. Mais le temps, une fois que le temps est passé, tu ne peux plus le rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait qu'il y a des périodes que tu devais être à un niveau dans ta vie et à cause des distractions, tu as perdu ton temps. Tu es parti, tu as fait autre chose que Dieu t'a appelé à faire.
et tu perds ton temps. Et après, quand tu as bien tourné, tu as vu tout ce que les gens ont dit que tu devais faire, ou même toi-même, tu étais, tu savais que tu dis, ah, laisse-moi aller essayer autre chose, et tu vois que tu as perdu ton temps. Tu vois? Alors, quelles que soient les oppositions, quels que soient les obstacles, ne baisse pas les bras. Continue, continue, continue à arroser ce grain ou cette graine et tu verras les résultats. Gros bisous à vous tous, que Dieu vous bénisse. Continuez à nous supporter, continuez à nous aider et je vous reviens très vite. Gros bisous. Have a blessed week, guys, and catch you very soon. So, guys, please keep going. Send us your gift for Haiti. We still need your support, your help, and God bless you. Take care. Bye.